Bonjour monsieur. Bonjour. Alors expliquez-moi votre activité. Je viens de déposer un logiciel pour présélectionner les candidats. Ouais. Qui permet de présélectionner les candidats qu'on a une offre d'emploi, qui est une recherche, à partir de questionnaires personnalisables, anonymes. Et on a aussi remis le candidat au centre, c'est-à-dire les candidats déçus, qui ne sont pas choisis. On représente leur profil automatiquement à tous les recruteurs qui cherchent le même profil sur la zone géographique concernée. Ça multiplie les chances du candidat de trouver du travail, on favorise l'égalité des chances et la diversité grâce à ce système de logiciels qui classe les candidats. Un système, on fait ça pour tous les métiers, pour les métiers qui existent. Et alors, qui est votre client ? Alors, nos clients, c'est tous les recruteurs, principalement les recruteurs des sociétés d'intérim qui ont des gestions de flux, mais aussi tous les recruteurs qui ont besoin de recruter cadres et non-cadres, jeunes et moins jeunes. On est particulièrement pertinent pour classer les jeunes qui sortent sans expérience. Un questionnaire permet de s'assurer que le candidat comprend bien les obligations d'un métier, par exemple. Là, on peut personnaliser le questionnaire et donc faire des questions très techniques. Voilà, et tout ça, nous ce qu'on vend, c'est les coordonnées du candidat classé pour 10 euros. Donc c'est très peu cher et ça donne accès à tous. Oui. Voilà, ce système. Et les jeunes, comment, les jeunes ou les moins jeunes, c'est-à-dire comment ils vivent cette sélection ? Nous avons lancé cette activité il y a 3 mois et aujourd'hui nous avons ouvert notre site aux jeunes qui peuvent venir s'inscrire sur CanDirect et mettre un métier sous surveillance et recevoir les alertes automatiquement pour tous les métiers qui les concernent sur la zone géographique. Voilà, donc on démarre ce processus d'offreur de services innovants avec Rénal Chapuy et d'abord du Lab Pôle Emploi, la direction de la stratégie Pôle Emploi, pour faire partie, pour essayer de rejoindre ce programme et offrir un service innovant qui permettrait aux recruteurs d'avoir tous ces candidats classés avec la shortlist des meilleurs et aux candidats de pouvoir multiplier ses chances en voyant son profil à partir de ce questionnaire et plus d'un CV dans une présentation. Quand vous êtes arrivé ici ? Et en décrochant mon téléphone et en décidant de rejoindre le 93 parce que je pensais que ça avait sens par rapport à son militaire. Voilà. Et avant, vous faisiez quoi votre cette activité ? Et avant, j'ai beaucoup voyagé, je travaillais pour un gros opérateur de télécom et je m'occupais d'IBM, donc de tout ce qui est Big Data. Voilà. Félicitations. Merci, bon courage. Courage. Merci à vous. Bien. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de PRL ? Pas encore. C'est vachement bien. Et là, on bosse pour Médecins du Monde en ce moment. On fait une campagne de crowdfunding pour financer un bateau pour les réfugiés. On a déjà levé 250 000 euros. Ça ne s'est jamais fait dans l'humanité. Et il reste 6 jours. Donc, sur la France, si vous voulez nous aider, vous donnez un petit dossier. On remet le candidat au centre et le candidat tous les déçus. Qui va représenter les questions par les questions qui changent des projets ensemble. C'est automatique, mais après un questionnaire, c'est puissant qu'un CV qui permet de s'assurer qu'un questionnaire est dynamique. Il est dynamique, il est construit à la question. Ce qu'il recherche, il le personnalise. Le territoire,